Oui, avec dossier Parlement. Oui. Parlement encore. Parlement encore. Mm-hmm. Et après, vous jeune Parlement encore, puisque séance n'a pas fini. Donc, tu as gagné, donc, à bien bonheur, matin et mercredi jusqu'à 3h. Donc, c'est un séance national là, qui t'est démarré mardi dans le Parlement. T'as pas à poursuivre, sans pourtant, débuté avec sénateur, y'a pas trivé en temps, même sous ordre du jour. On a dit, ordre du jour, n'a pas même guette en voter. C'est la donne nous bloquer, hein. C'est vraiment triste. Tellement fait discussion, et puis jusqu'à ce que, donc, séance là. Et bon, ben, plutôt parler avec Winchell, et puisque c'est lui qui était en bas pendant toute journée, hein, et tout matin, hein, encore. Et Winchell, bonjour. Bonjour, Guerrier. Bonjour, auditeur du Christ, Radio Caraïbio. Bonjour, Bob C. Oui, ben, on t'y résumé dans de séance là, puisque au même, on t'a fait toute journée et toute nuit là, et c'est à l'heure là où passer dans la radio pour te permettre que nous gagnions extrait sonore ou des réactions qui faites avec députés et sénateurs qui n'ont pas le pour partager tout à l'heure avec auditorio. Mais, pour présenter le tableau, hein, comment ça a été, commencé jusqu'à ce que, séance là arrivait, pas fini et président, assemblée a annoncé que il y a une continuation. Alors, séance Assemblée nationale qui est vraiment été programmée hier là pour te plancher sur dossier président et provisoire jusqu'à couvert, c'est une séance qui a commencé à annoncer le guerrier et qui n'a pas fini, qui est en continuation à cause, eh bien, député sénateur qui était dans CERTA, il n'a pas même arrivé et voté même pour le jour là. Pendant toute une journée et toute une nuit. Et c'est vrai que dans ce sens-là, il y a 8 députés, 20 sénateurs qui étaient présents. Et dans ce sens-là, et bien, pour le 10 jours-là, qui étaient présents, il n'y avait pas même des chances, même côté lui, c'était des bâtards sur lui. Et jusqu'à ce que le sénateur Kalamura Kantav, lui-même, lui avait demandé, ils ont eu clos qui durait toute une éternité. Et finalement, le président de l'Assemblée nationale, là, alors, député Charles de Chancy, c'est le cadre du rôle du président de l'Assemblée nationale, là, les villes, et les fonds, facilité, dans la 10 journalistes, ils viennent suivre et les séances, là, pour mettre fin à huis clos. Automatiquement, nous entrons, si on mène huis clos, ça encore, tout de suite encore, au groupe sénateur, et ça continue comme groupe minoritaire, qui est la dame, Calmoura Kantav, sénateur de la Tortue, et sénateur qu'on a dit lui, eh bien, il y a même le mouvement de clos. Et donc, le président Assemblée nationale, là, député Charles de Chancy, et dans le moment ça, il est vraiment été en difficulté, et quand même, il était capable de refuser ça. Et malgré ça, et plus de temps après, eh bien, nous avons un sénateur qu'on a dit lui, et qui quand même demandé une sorte de suspension de séance. Et donc, ça va pas arriver fait, mais finalement, après un pile par un pile autour de nos ordres du jour qui n'a pas même arrivé à adopter, on a demandé pour entrer dans l'ordre du jour ça, et remise échappe présidentielle là pour président provisoire. Lui-même l'a fait avant que tu avancé. Et finalement, ils ont demandé, et ça m'a capable de dire, ils ont une suspension de séance. Et dans la suspension de séance, ça a été fait pour 30 minutes. Côté de la facilité, et le sénateur, le groupe précisément, a travaillé avec l'autorité parlementaire, et on va dire, ordre de route. Son feuille de route qui est supposé entrer dans le milieu. Et finalement, les 30 minutes passées, une heure de temps arrivée, et bien, temps passé très vite. Et puis, groupe et minorité, hein. Alors, c'est plusieurs sénateurs, parmi eux, Calmoura Kantav, Jouvé Latotsu, et sénateur Honor de lui, et sénateur Edwin Zeni, et puis sénateur Okaila, Hervé Foucan. Et puis, nous constatons que sénateur Stayo, qui a le travail, alors, groupe sénateur qui travaille sous une feuille de route, finalement, à Goubachon, là, et puis président et Assemblée nationale, là, le député de Chancy, qui joue le rôle de l'Assemblée nationale, a constaté par du quorum
et puis mettez en suspension la séance là, si ça dit une séance qui est à continuation. Donc, l'Assemblée nationale là, qui l'a fait depuis hier là, eh bien, et jusqu'à matin, nous en jouons 4 heures, elle n'est pas finie. Même son ordre du jour, il n'est pas arrivé en plein jour, et séance là, il y a en continuation. C'est ça. Président et Assemblée nationale là, député Choisir Chancy, on dit plutôt président à l'Assemblée nationale là, puisque Choisir Chancy, c'est président chambre député, qui a assuré présidence à l'Assemblée nationale là, au Sénat, les mêmes, les gains PAN, président. Donc, eh bien, c'est une situation ça, si Cabo s'est présenté hier, et il y a un pile le parlementaire qui vraiment fâché, sénateur, qui est dans le groupe minoritaire, et alors qu'il y a un groupe majoritaire. Et puis, il y a vraiment fâché, puisque nous connaissons que c'est en séance à l'Assemblée nationale, décision de la suppose de prendre, pour mettre fin dans ça, mettre fin dans la suspicion qu'il y a autour de mandat président, pour mettre fin sur l'inquiétude de ce mandat président et provisoire jusqu'à Brunner, et finalement, vous avez que ça a demandé et pour des séances faites, et finalement, et le même groupe parlementaire ça a aussi échoué couramment et qui disparaît. On n'a pas même livré Antonio, ce qui a mené et journée. Donc, ce sera la continuation des sénateurs et Valérie Beaublanc, tout à l'heure, comme ça, et Guerrero Bastien, et François Normand, très en colère, et par rapport avec la position beaucoup minoritaire. Et même fait, comme on a dit, fait des révélations. Les secrets que le groupe minoritaire, il a fait un peu de réclamation, il a demandé 4 autres ministères, par rapport avec 4 ministères déjà gagnés dans le maillot, puisque vous savez que, par exemple, le groupe minoritaire, il a quand même un pouvoir, parce qu'il est ministre du gouvernement, à 3-4 ministères, et il a réclamé 4 autres ministères, selon précision, sénateur Valérie Beaublanc, avec sénateur Jean-Baptiste Bénédicte. Donc, il est très en colère à cause, et c'est en ça qu'il n'est pas fini. Pour mettre fin à la détection de ça sous le mandat président provisoire. Très bien. Et merci un peu, Michel, pour vous résumer. Hein. Donc, on a pas essayé de faire auditeur Yokounia. Écoutez, ensemble de réactions qui ont été réalisées pour nous après, c'est en ça, toujours, dans le Parlement. Donc, Alfonti Domi, Michel, merci un peu. D'accord. Bonne journée. Bon travail. Bon travail. Hein. Et quatre ministères, ça y est, faut que nous disions, c'est finances, intérieur, affaires étrangères. Vous causez. Et puis, maman des contrôles BRH, donc, problème dans le bon problème. Et, en dessous de là, et, ordre du jour, menu, etc. Problème dans, c'est, en opération, en coupé gâteau. En coupé gâteau. Et pendant les problèmes population, arrêté entier, mes amis. Crise alimentaire, on n'a pas qu'à manger dans le pays, hein. Grand goût, pas gain route. La santé, première fois dans le pays. L'hôpital fermé depuis 4 mois. Depuis 4 mois, il y a des gens pas malades dans le pays. Malé avec un monde qui est malade. Si là, il y a des moyens, il y a va à l'autre côté. Il y a pris un avion. Mais on connaît son pays, 80% de monde la donne. C'est dans l'hôpital, ça, il y a qu'à prendre soin. Pas gain l'hôpital. A fait, moun a mangé. On véritable tête chargée. Insécurité, tout le monde. C'est chaque jour, on moun a on quoi, l'an mit en famille, chaque moun a demandé, est-ce que jodi a pas tout pam, est-ce que m'sorti, est-ce que m'a rentré, grande entreprise dans le pays, hein, qui a bail travail, y'a pas y panier des questions de sécurité, hein, jodi a encore, dans mois juin 2016, pour c'est dans ça que nous y est. Côté pays, dans tout ça, c'est la grande question. Oui, donc, Koulian, nous avons invité au côté réaction, dans cette déclaration, président AI Sénat, sénateur Ronald Daresh, qui lui-même t'a dit qu'il y a diverses rencontres qui étaient faites pour que tu travailles sous feuille de route ça, qui va arriver présenté à l'Assemblée. Il y a une différence pour nous faire, guerrier, il n'a pas parlé des groupes minoritaires, minoritaires et opposition. Mm-hmm. Et opposition, parce que si nous prenons un groupe, tant qu'au groupe Yurian, ou pas qu'à l'île, un groupe minoritaire, il peut se passer, il y a un groupe qui est en opposition, puisque le groupe Zoki qui a, il y a moins de sénateurs parce que le groupe pas, il y a la torture là.
Ah oui, donc et pas rien compact, non? Non, mais non, vous avez dit que c'est trois groupes qui gagnent. Ils font des groupes, oui, même, c'est trois groupes qui ça c'est gagné. Bon, en tout cas, minorité à opposition, mais puisque c'était appellation ça de gagner depuis avant. Oui, oui. Donc, tout nous servent avec. Oui, bon, en tout cas, groupe sénateur. Qu'est-ce qu'a parlé là, Kounia? Qu'est-ce qu'a dit des mois nation en amitant un aigle? Qui premier aigle va parler? Kounia, on prend le côté, invité au côté président, à IA, Ronald Daresh, qui même annoncé qu'il est. Il même s'est passé inaperçu, non? Séancière. Oui, parce que c'est président chambre des députés. Ah oui, qui fait d'office président de l'Assemblée nationale. Oui, donc c'est ça que fait, c'est l'étape président de séance-là. Il a annoncé que jeudi ou vendredi, séance-là, Tadré reprenne, puisque c'est en continuation. Un côté président AI, sénateur Ronald Daresh. Comme l'a infirmé, et grand ensemble de travail qui était commencé fait et depuis matin, et moi-même personnellement, ensemble avec le président de la Chambre des députés, nous avons invité l'ensemble des blocs, et depuis hier encore, dans l'hôtel Caribé, nous avons invité les blocs politiques, 6 blocs au niveau du Parlement, pour travailler sur une feuille de route, et matin encore, aux environs de 11h midi, nous avons travaillé de 7h du soir, qui se laisse à nous faire le travail, malgré ça encore, nous avons dans la suspension de séance en huis clos, nous retournons encore dans le travail, et parce que nous-mêmes et au niveau bureau, nous dit que et nous constatons que quorum a affirmé et que c'est en continuation. Nous lever séance là pour nous continuer en jeudi ou vendredi. En jeudi ou vendredi pour que nous-mêmes nous continuions séance là. Et c'est en jeudi ou vendredi, nous avons toujours continué avec le bloc politique pour que nous-mêmes nous date pour que nous-mêmes nous continuions séance. Il faut que la séance continue, date sa continuation, que la séance là est. Et il y a un document, une feuille de route qui est préparée par l'ensemble des blocs politiques. Et avec le document ça, c'est avec lui-même, nous continuer et prochaine séance là. Et séance là, c'est en continuation, et nous continuer la séance là pour que jusqu'à ce que nous venions une solution dans la crise là. Parce que. Bon, et je ne vais pas dire ça parce que c'est. Et président séance lui-même et bon bah on est sauf que lui fait tout ça le capable parce que on est en pile demande que des monde qui ont des intérêts politiques et son séance politique d'ailleurs c'est pour son séance exceptionnelle et qui parle dans la constitution pour que nous même statuer sur article 7 c'est accord et 5 février qui bail naissance à l'Assemblée nationale là pour qu'il statue sous CASA et normalement nous renvoyer séance là pour que nous continuions. Et peut-être jeudi ou vendredi qu'il faut que c'est un instant continuer. Je vois là où t'as pas écouté. Sénateur Ronald Daresh. Ronald Daresh. Kounia, nous prenons joindre sénateur Evalier Beauplan. Sénateur Evalier Beauplan, qui est même longé de Wetley sous groupe sénateur Yuri La Tortue dirigé, qui même t'a contribué en premier pour dépatcher la séance là. Précision, sénateur Evalier Beauplan. Nous te voulons sortir en solution. Justin Privé te voulons sortir en solution, au moins pour libérer Tati et pour libérer pays. Stabilité n'a pas cherché. Mais il y a des gens qui sont des irréductibles. Il y a des gens qui veulent aller à l'extrême. Et je dis, la population constate. Télévision, radio, en direct, depuis 2 heures, nous en Assemblée nationale. Et Kounia, pour 4 heures du matin. Nous avons tant de jours. Dernière et stratégie que vous faites, vous avez une suspension de séance pour le travail sous un bagage consensuel. Et vous n'avez jamais tourné un rapport à l'Assemblée sur ça, votre travail. C'est signe que vous avez besoin d'éliminer les questions micro, éliminer la télévision que vous regardez, parce que vous n'avez pas sorti pendant la caméra sur vous profitez de sortir ça et puis vous filez. Vous avez entendu aller. Et que vous avez ouais, que vous avez fait des débats parce que vous avez dit qu'ils sont les plus intelligents. Si vous avez fait des débats, à ce débat d'après l'ouvert, vous n'avez pas même hors du jour à voter. Au nom du aller. Et il y a le sénateur Foucault qui allait. Il y a le sénateur. Mon autre sénateur qui allait. Calmura Katav qui allait. Et finalement, nous baguons quorum. Mais là, on dit que l'infonction de faiblesse, président, on dit le tout. Un président qui a dirigé l'Assemblée nationale de si grande importance, ton séance de si grande importance, il faut lui voter l'étranger. Le président fait là avec un laxisme qui permet qu'aujourd'hui, hein, nous arrivons côté nous y est là. Et matin, encore pour le président lever séance, malgré le baguette quorum, où le président était bras croisés sous tribunal. L'a regardé, il n'y a pas qu'à lever séance là. C'est que son complot pour que séance soit pas faite, parce que tu pensais que dans deux chambres de minorité, je dis à Justin Privé, stabilité, démocratie a triomphé, nous avons majorité ni dans la chambre députée,
ni dans le Sénat. Donc, il y a qui suite qui va le bail à geste manifestation. Qui sont qu'à faire? Population doit prendre notre décembre, son deal. Moun qui doit tirer référence de ça que fait là, doit tirer référence de ça que fait là. Qui compte au cas avec Moun ça yo, en non pays. 2012, vous faites élection, 2013, 2014, 2015, vous finalement font élection controversée. Vous en dans le pouvoir, Jocelyne Privéa, vous demandez compromis, vous demandez en top. En tant que ça a joué, il y a 4 ministres dans le gouvernement, il y a des directeurs généraux. Et je dis à lui, question de yon feuille de route qui baille privé mandat pour que l'Igo président élu qui remplace le 7 février, nous acceptons la feuille de route, non? Mais il n'y a pas fait question de Jocelyne Privéa, il y a oublié que le pays a recommencé à zéro. Je dis, est-ce que nous capons pays dans le stade que nous y ait conseil électoral sur place? Vérification fin faite. Président qui soit disant prêt à l'élection, tout confirmé présence sur la question élection, et que je dis, on m'a dit pour recommencer pays à zéro. Non pays, non situation, côté goud là, 65 goud. Ça travaille simplement fait dans le pays, population a souffri, grand goût et puis partout. Maintenant, on m'a dit pour nous reprendre pays à zéro. C'est intolérable. Moi, pas qu'on ait aucun côté que nous allons aller avec Mounsa, aucune population prend nous. Yo humain, nous t'es toujours pensé que yo t'as fait appel à la raison, je veux dire. Parce que nous avons deux jours, nous sommes dans l'Oasis, nous sommes dans l'Ouest, nous avons cherché le même compromis. Ça. Je veux dire, depuis deux heures, nous présents, nous avons cherché le même compromis. Pendant ces séance encore, où t'as demandé 8 clos, nous acceptons 8 clos. Pendant ces séance encore, on a suspension de séance, nous acceptons suspension de séance. Avec question intérêt que finalement n'a pas cédé. Fond by au sens, fond by stabilité au sens, fond by démocratie au sens. Mais je dis à nous clair sous lit, c'est des gens qui viennent bloquer le pays, c'est pas des gens qui ont travaillé l'intérêt de Baïti. Voilà, on t'a pas écouté, sénateur Evalière, beau plan, hein, qu'on y en a après le côté réaction, sénateur PHTK, Jacques Sauvergeon, qui lui-même parlait d'une bataille classe dominante là, c'est ça qui a pas fait là. Il est censé assumer qu'il a été infirmé et couramment. Un côté précision, sénateur Jacques Sauvergeon. Nation en danger. Nous avons souhaité que la nation comprenne que si négociation faite avec mensonge par quelqu'un de gens, qu'on a joué une solution. Si tout le monde a fait quantité menti que moi qu'a fait là, a supposé et a souhaité que c'est ça qu'on dit à la vérité, eh bien nous loin de trouver une solution. Mesdames, qu'on est qui moun qui goumen? Moun qui goumen pour moi-même, c'est moun qui a intérêt. Mesdames, comprenez bien, est-ce que yon nan nou la possédé Digicel? Est-ce que moi tout possédé Marriott ou bien Howard Johnson? Nous récitons l'opportunité pour nous comprendre bien que yon goumen non classe possédante en Haïti qui mettait nous-mêmes comme petit peuple là. Qui t'aime finir pour nous? Parce que ce parle m'a parlé là, si nous pas poser le quand nous pas identifier un problème, nous pas qu'à résoudre. M'a expliqué nous exactement ça qui a passé. Je pensais que c'est guerre moun qui gagne qui a goumen que nous-mêmes comme soldats n'a tombé là. Et que le soldat fin tombé, mais m'espérer nous avec officier qui décoré. Vous pensez ou bien c'est pas que nous gagne information, nous gagne toute logique, toute lucidité pour nous que moi pas propriétaire Digicel et ni pas propriétaire Howard Johnson, ni pas propriétaire Berman Motors, ni pas propriétaire comment les plazas derrière de là. Nous pensons que c'est une bataille de ceux qui possèdent. Il faut absolument poser, identifier le problème. Ce n'est pas le peuple haïtien qui est en guerre, c'est la classe possédante qui est en guerre. Je ne sais pas entre eux. Entre eux. Parce que au moins, nous avons aujourd'hui à preuve, pas quoi que c'est menti, que au criblé de balles des institutions qui n'ont pas appartenu ni à vous ni à moi. Maintenant, cette guerre, c'est la guerre des soldats. Espérer que s'il a tombé, il est des moments dans la guerre où le plus brave soldat doit s'enfuir. Parce que sinon, on va mourir. Nous assumer ça fait place. Eh oui. Même vous arriver. Si pour tout ça, je finis d'expliquer là, vous pouvez avoir pour quelle raison. Qu'il est des moments dans la guerre où le plus brave soldat doit s'enfuir. Eh bien, mon cher, on va continuer comme ça. Ça n'a aucune situation que toi. Tu vois, le principe de la théorie du nombre. Tu vois la théorie du nombre? Mon cher, des fois, ils sont atouts et des fois, ils sont faiblesses.
Américains tapent tout ça. You can be wrong and strict. M'a dit une phrase. Ou pas qu'à contrarier ça, m'a dit Alice, très important. You can be wrong and strong. Ou capable mal, et puis l'infini nous fort en même temps. Vous payez à tes comptes sur nous, pensez que nous t'apprenons. Et c'est la bataille. Non. Pas qu'un monde qui a osé dire pour révoquer mandat ou bien révoquer président pour Jocelyne Privert. Président Jocelyne Privert, pas un nègre qu'on a révoqué. Président Jocelyne Privert au pouvoir lié à un accord qui bat un temps de 120 jours. Qui expirait. Regardez, il était en poste éternellement. François Duvalier est en poste à vie jusqu'à ce que bon Dieu décide qu'elle peut être présentée sous pouvoir comme de la dictature. Non, je ne suis pas privé là. Vous êtes en coum, si je dis dictature, je compte ça, je le dis. Il faut avoir au moins la décence de dire ce qui est vrai en négociant pour le pays. Il faut absolument développer le sens du partage, même en assumant la responsabilité. Non. Moi-même, je ne suis pas dans le détail, ça. Je ne suis pas un ministère, même si mon micro a besoin pour me chanter. Donc, je suis un lion fois pour tout. En tant que sénateur de la République, je suis un bagage. Les gens qui ont voté mieux, je suis venu chercher là pour eux. Qui ça exactement pour me porter tout le monde? Mais depuis que je suis arrivé là, je suis parler, oui. Parce que moi, nous avons vu l'habitude, je réponds pour lui poser une autre question. Moi, depuis que je suis arrivé là, je trouve même tant qu'on soldat. Que tant qu'on volait que soldats arrêtés et qui sous point de pied, qui n'a jamais eu chance de déposer pied matin pour me poser question que le peuple a devoir me poser. Et m'attendais que des gens qui pas même fin expliquer ça que les créoles. Moi t'as remis ou voter oui. Je ne sais pas qui ça, mais tu as vraiment ou forcé non. Oh, mon capoti, mon faux liberté. Et pas dans le téléphone seulement. Non. Qui diplomate étranger qui fait ça? Et pas diplomate étranger, me dit non. Qui est-ce? Des mouns qui possédaient Cap Goumé pour dire oui ou bien non. Qui est-ce? Eh bien, on va chercher qu'on est tous ces journalistes. C'est plaisanté. C'est l'homme d'affaires. Ah, regardez. Dis-nous que sa bataille haïtienne n'est pas une bataille de ni moi-même, ni sénateur, ni député. Est-ce que c'est vous qui faites un comportement ça, je dis? Eh bien, Mabdou, ça crive, ou amende ça que tu fais l'esclavage. Elle font tirer tout. Mais est-ce que c'est là que vous m'avez dit? Non, parce que vous m'avez dit tout. M'a répondu, non. Hein? Eh bien, quand tu me captes le matin, je dis sous point de pied depuis m'arriver. Est-ce que c'est secteur privé ça, je dis? Mais moi, je suis obligé, parce que nous, ou comme ça, ne pas comprendre, nous posons un problème que nous pouvons même identifier. Est-ce que c'est le secteur privé qui campe derrière bas? Je vous le jure que cette bataille, c'est la bataille de la classe possédante, et je répète. C'est vous qui faites des comportements. Je répète que c'est la bataille de la classe possédante. C'est pas eux qui font un furieux, non, c'est une façon de lutter. Qui partit dans France, dans le secteur privé, qui est derrière groupe minoritaire? Je vous le jure que c'est une bataille de ceux qui possèdent. Mais je répète. Minoritaire là qui est dans le secteur privé. Ah, regardez, faites-y fort tout. Ces journalistes, oui, ils ont porté le micro, ils ont demandé qui est-ce qui tire sous Mayotte. Mandé qui est-ce, faut que tu aies fort tout. Qui est-ce qui tire sous Mayotte? Il n'y a pas c'est pour aller demander, n'est-ce. Et bon, non, pas qu'on dit ça. PHTK est allié, pas qu'à ça. Pas fait grossement ça. Ou pas qu'on connaît. Mais c'est une bataille de ceux qui possèdent. Le prince de l'amour entre l'enclume et le manteau, qui est un ami quoi, qui tape chanté, qui quitte elle, qu'elle font expérience parlementaire, et qu'on y a moins des micros pour le chanter. Donc, ou pas, ou presque pas qu'on qui ça, qui très en met tout, contre la presse, donc, qui a fait cette leçon, tout, avec Preslan. Et donc, Preslan Ballon Banba, elle a gros causé, causé tête chargée. Mais qui est-ce qui tire vraiment sous Mariotte? Qui est-ce qui tire sous Natcom? Qui est-ce qu'elle tire sous l'autre institution, yo? Mais pendant que Preslan questionnait tête li, Jean-Baptiste Bien-Aimé, il même pas mettre dans la bouche li. Oui. Jean-Baptiste Bien-Aimé dit que, il va dans abouer roche pour la cacher main. C'est même monsieur ça, yo, qui écrasait parlement, écrasait science, non? Hier soir. C'est yo qui t'a à la base tout mouvement ça, yo. Et Jean-Baptiste Bien-Aimé dit, n'est-ce que c'est au caille, yo fait, écrasé brisé au caille, fin basse au caille, vin nan digicel. Et passer Mariotte, et comment, Natcom. Mais yo fait des gars. C'est ça, Jean-Baptiste Bien-Aimé fait qu'on est. Jean-Baptiste Bien-Aimé dit que, n'est-ce que c'est bon problème, agenda, ou gain, réellement. C'est bon problème, inséré, dans l'ordre du jour, gain. Problème, n'est-ce que c'est pays à net minorité, a besoin fourré en base celle-là. Puisque, n'est-ce que moi, des quatre ministères, mon père,
et tant que le ministère de l'Intérieur, ministère de la Justice, ministère des Affaires étrangères, quel autre ministère encore, mon autre ministère, et yo mandé pour gain contrôle la banque, ben minorité a même j'abaye là hier, sinon je baptise bien aimé, minorité a relève les points pays net, nèg yo mandé au Fatma, yo mandé direction générale, yo mandé BRH, yo mandé un pile causé, je baptise bien aimé dit, nèg yo mandé ça, yo même yo pas gagné, ça yo pas kabaye. Témoignage, sénateur Nord-Est, Jean-Baptiste Bien-Aimé. Bon, c'est vraiment regrettable ça qui passe là aujourd'hui. Hein? Normalement que équipe tête calée alliée décide la GPIA dans Katouboumbe parce que gagner des affaires intérêt personnel qu'a réglé. C'est pas affaire pays qu'a réglé, c'est affaire nèg yo gè 4 ministères nan men yo, yo mande 4 autres ministères, yo mande pou yo ba yo poste dans niveau BRH, yo mande pou yo ba poste dans BNC, yo mande direction au Fatma, yo mande un paquet direction générale. Le fait que pour yo faire yo ben pour permettre yo continuer faire corruption tête calé t'a mené. Normalement ça créer situation qui fait monsieur yo couri, c'est parce que yo connaît gagné une résolution qui signe pas plus de 60 députés, qui gagne 11 sénateurs qui signent résolution ça. Et on connaît n'importe gens depuis l'Assemblée nationale la fête. Jocelyne Brivé a gagné une prolongation pour permettre que l'I continue et dans tête et pays a, pour permettre que l'I fait élection crédible, honnête et démocratique à la fin de l'année. Effectivement, c'est ça qui mobile qui fait monsieur yo courir parce que yo gardé, yo fait plusieurs tentatives pour yo bloquer l'Assemblée nationale là en deux occasions, ça fait troisième fois. Eh bien, cette situation ça qui fait que yo obligé courir quitter séance là. Question feuille de route qui t'a parlé tout, est-ce que gagner yo feuille de route, t'es gagné au contraire, nous ouais que président t'es ben yo suspension. Et pour permettre que la commission ait le travail, feuille de route là, elle est faite. Mais cependant, sénateur Saïwa, mon groupe sénateur Yuri Latortue, sénateur Onondieu, sénateur Hervé Foucan, sénateur Cantave, sénateur Edo Zeni, yo pas jamais retourné dans la salle là. Qui contenu feuille de route là? L'éclair que gagne une feuille de route qui pour dire que le président doit respecter la constitution, il doit respecter l'accord, il doit respecter toute prérogative constitutionnelle qu'elle gagne pour ne pas dépasser. Moi, je pense que c'est tout ça qui est dans la feuille de route là, qui gagne un replatage, qui a demandé ministériel, mais ils ont profité pour demander 4 autres ministères. Ils ont demandé ministère finance, ils ont demandé ministère finance, ils ont demandé ministère intérieur, ils ont demandé ministère justice et ils ont demandé ministère affaires étrangères pour mettre sous 4 ministères qu'ils ont gagné dans le même. Mais c'est une discussion avec des émissaires, des sénateurs qui ont discuté ensemble avec eux. C'est ça qui fait qu'ils ont demandé replatage et ça fait que les sénateurs ont dit ça pas possible, ils n'ont pas de problème non pour gagner un remaniement ministériel. Mais ils ont demandé pour craser KIP à tout. Ils ont demandé pour craser KIP à ça que monsieur a commencé avec le chaos, côté ont commencé à attaquer l'université, Fondation Jean-Bertrand Aristide, ils ont attaqué le ministère des Affaires étrangères, ils ont attaqué Digicel, ils ont attaqué Natcom, ils ont attaqué Best Western, ils ont attaqué le paquet d'institution. Et mais yo, ouais, ça va marcher. Ils ont fait lettre pour demander le premier ministre pour ne pas décaisser l'argent dans le pays. Ya. Ça va marcher parce qu'ils ont besoin de l'anarchie, ils ont besoin que. Il y a deux sénateurs qui ont signé, ils ont lettre qui était publique. C'est même équipe Mounzaïo, c'est eux-mêmes qui ont fait tout le bagage, c'est eux-mêmes tout qui ont au caille. Qui te fait mouvement au cas qui tue les policiers. De ce fait, ils ont même dit anarchie, ils ont vu créer dans le pays, et ils ont continué avec l'anarchie, je dis là, en l'Assemblée nationale. Là. Séance là doit être faite, parce que son obligation, sénateurs, députés, peuple, à payer, ils ont gagné un mandat du peuple, ils ont gagné responsabilité pour œuvrer dans l'intérêt de la population, non dans l'intérêt de petit groupe anarchiste qui a nostalgie du pouvoir. Qui a 3 mois depuis qu'il a quitté le pouvoir, il a senti qu'il fallait retourner dans le pouvoir, c'est dans le coup d'État. Tout Galil, Laurent Lamotte t'a séparé, c'est Galil qui a utilisé, qui a tiré sur l'administration publique. Nous croyons que Abraham dit c'est assez, situation ça va pas continuer dans le pays. Merci un pile, sénateur Jean-Baptiste, bien aimé, hein. Et en tout cas. On y a la justice, pas de trop de travail encore.
Puis c'est révélation au bail. Vous comprenez ça, M'dola? Donc, c'est seulement joindre, parce que c'est son sénateur de la République qui parlait. Parce que c'est un attaqué tout. Et, pas tout courant, non? Ok. Donc, Konya, jouer pour la justice là, et pour lumière, bonjour lumière faite, autour des événements, ça y est, qui l'a gagné en pile inquiétude. Dans la population, dans la société haïtienne, non? Oui, et nous allons parler avec le sénateur Youri Latotchu comme réaction, puisque Jean Noël Lala, nous avons plus gagné réaction courte. À chaud, après l'événement. Oui, l'autre groupe là. Sénateur Youri Latotchu, bonjour. Bonjour, guerrier. Bonjour, Bob. Et son plaisir pour nous avec nous sur le boulevard. Et je pense que c'était important, et justement, pour nous. Faire une réaction, là, nous entendons vraiment pas Olga parler. Et moi, je pensais que lui pas sérieux. Et moi, je voulais garder premièrement une réaction. Et faire une réaction. Mm-hmm. Et pour une chose qui est important, moi, je crois que dans la séance qui passait hier, là, depuis 9h du matin, jusqu'à vraiment à 2h, eh bien, très gagné en mobilisation qui était faite pour que, justement, une solution se fasse. Alors, on m'a dit, bien content que le sénateur Jean-Baptiste baille certaines informations et parler. Et, moi, ces informations, ça y est, l'itéroué baille déjà à la police. S'il voit, c'est que l'information qui est véridique parce que nous-mêmes, tout le monde a demandé, justement, résultat, eh bien, sous ça qui passe, sous enquête au CAI, sous tir qui fait. Et me dit, seul, et après qui était grappé, qui était condamné sans pleine séance et qui demandait pour la police faire travail. Mais par rapport à la séance hier là, faut me dire que depuis lundi, nous avons eu une réunion qui a faite à différents groupes pour nous joindre eh bien solution, en solution consensuelle. Et nous faisons réunion lundi, environ réunion avec groupe, et avant la séance là, nous faisons réunion et qui gagne la donne différents blocs. Et nous sommes arrivés à travailler sur un document qui fait une feuille de route, mais il y a un groupe qui voulait que, eh bien, feuille de route là, justement, elle est tout bien la dame, eh bien, question renouvellement président primaire, et bon, le groupe qui s'est dit, feuille de route là, c'est la mission, question président primaire là, et constitution dit, mais comment vous le traitez, c'est assemblée qui pour nommer un président, et n'ont pas qu'à rattacher là avec une feuille de route. Eh bien, séance l'a déroulé jusqu'à ce que nous venions demander en huis clos. Et huis clos, nous venions demander à moi-même personnellement, c'est moi qui t'ai demandé, nous prenons environ 3 heures de temps pour que pendant huis clos, ça, nous t'ai dit que, eh bien, position par nous au départ, c'était une feuille de route avec élection pour nous faire pour président. J'ai constitué un deal, mais, dans la situation qui est présentée là, dans la feuille de route là, et sous question président, nous pas poser question ni échoir encore, qui s'est posé, qui descend irritant, nous pas poser question pour que président lui-même là, faut le représenter dans l'élection comme ancien citoyen, n'a aller beaucoup plus vite, parce que faut nous faire consensus, nous avons voté feuille de route là, et question et président qui n'a pas l'air, eh bien, nous voilons directement, eh bien, nos élections côté président qui a présenté à même statut. Et puis, nous arrivons à niveau ça, pas gagné un consensus encore qui fait, et moi, j'ai pris la parole devant l'Assemblée pour me dire, nous faisons un consensus sur un point, feuille de route là, et nous pas un consensus sur l'autre, et dans la situation ça, moi, j'ai annoncé à l'Assemblée que nous pouvons avancer. Et nous te reprenons ces séances-là pour nous faire débat pendant que, à 2 heures de temps après, nous arrivons dans une situation côté que, et nous te continuons à parler entre nous, et nous venons proposer comme ça pour que notre travail sur feuille de route-là, que nous te faisons entendre, et question nomination président, dès que nous finissons entendre sur feuille de route, nous posons l'après. Donc, nous replions dans la salle commission, et même nous venons dans la salle commission, eh bien, groupe minoritaire vient accepter faire un autre sacrifice. Nous dit que nous, au lieu que nous vivons pour que nous fassions feuille de route là, et j'en ai demandé avant pour que question président
Noël après, c'est-à-dire non, l'autre séance qui était aujourd'hui, nous allons le poser tous les deux. Nous allons travailler sur feuille de route, là, qu'on y a. Et puis, comme de fait, pour être proposé des modifications dans feuille de route que le député Jerry Tadieu a été accepté. Mais nous avons dit que, constitutionnellement, nous n'avons pas qu'à mettre feuille de route là, avec président dans le même paquet, parce que pas pour voter président, eh bien, son acte proposé à part, l'Assemblée nationale l'a fait la part, et feuille de route là n'a fait la part. Donc, concession groupe minoritaire a vu faire encore, c'est que n'a voté feuille de route là, et quand nous finissons de faire de route là, dans la même séance là, nous mettons notre point, qui c'est nomination président. Donc, n'a tout fait dans la même séance, et nous disons pareil, pour nous finir à 4h et à 5h. Et il y a pile mon dans groupe minoritaire là qui OK, et qui ça qui explique qu'on pas retourner dans séance là. Attendez, et oui, on n'a pas le dire qui ça explique qu'on pas retourner dans séance là. C'est bien, bon de nous retourner là par la président. Là par la président, mais bonjour. Là nous pose problème là comme ça, c'était dernière concession que le groupe minoritaire a fait. C'est moi qui porte-parole et qui t'ai annoncé avec le député Jerry qui était là et le sénateur Carlos, mais qui concession que nous faisons. Nous allons finir ce ensemble avec, premièrement, votre feuille de route là, et après, nomination de président. Ce qui en pile monde dans le groupe, pas d'accord, parce que je dis, nomination, c'est élection, nous te disons non. Étant donné que nous tenons accord, n'a tout continué là. Eh bien, guerrier, Fondou, malgré ça, le groupe là, pas d'accord, lui dit que nous pas qu'à voter et deux bagailles l'un après l'autre, faut nous voter en même temps. C'est en même temps pour nous faire. Il faut nous tous voter feuille de route là avec le président, alors que ça n'y pas de rapport ni à l'esprit ni à la lettre de la Constitution. Donc nous disons, monsieur, à 2h du matin, côté nous rivière, nous faisons nous-mêmes, depuis midi, nous avons seul document en main. Nous voulons voter. Qui concession nous-mêmes nous fait pour que deux groupes qui arrivent à entendre, malgré tout le privé, eh bien, aucune concession n'est pas faite. Le Sahana joint le président de l'Assemblée nationale là. Nous disons, président, nous avons une mission pour nous faire un consensus, mais ça, mais côté que nous vivons, nous proposons pour votre la fête en deux temps et tout le monde a prêté pour votre la fête. Mais malheureusement, l'autre groupe n'a pas d'accord et que nous-mêmes, nous n'avons pas arrêté puisque nous déjà vivons dans une situation côté que la Constitution n'est pas appliquée, mais au moins, nous n'avons pas fait toute bagaille. Nous n'avons pas arrivé dans une situation côté encore une fois, nous mélanger deux bagailles qui n'est pas mélangeable pour que ça nous pas fait voter un, deux. Le président dit, et que lui comprend le consensus au fait, nous dit, président, nous pas arrivé pour nous dans une situation que il y a des actes à poser comme Assemblée nationale, eh bien, qui violent l'esprit et la lettre de la Constitution, et pas de différence pour nous faire, on vote dans le même petit jour là, et pour nous faire le connaître, eh bien, président, tu constaté que pas un consensus, et nous dit, président, bah, on temps pour que, eh bien, monsieur, il réfléchit sur ça, nous dit, et nous-mêmes, préparer à n'importe quel moment pour nous venir voter, pour nous effrayer de route là et rentrer dans la nomination président. Et nous te dit, président, nous retirons parce que nous pensons que monsieur de côté Bayo, il doit faire consensus. C'est donc, allez-y. Oui, on va parler. On va l'entendre qui est-ce. Oui. L'entendre, comment monsieur a réagi pour qu'il y ait accusé le groupe minoritaire là. L'homme que tout effort de consensus, c'est nous-mêmes. Là, moi, au niveau de la séance, il y a plusieurs moments, eh bien, que monsieur n'a pas vraiment, et moi, qui a dit, fait, on avance dans Yota, et puis monsieur a plié question à question monde qui était tiré, à question monde qui a créé ce pays. Moi, je pensais que ce n'est pas sérieux. Et moi, j'ai dit, eh bien, normalement, si monsieur n'a ni pour ça, il n'a pas arrivé à comprendre. Justement, que nos pays, là, on parle de consensus, sont win-win situation. C'est-à-dire que, on fait retrait de certaines prétentions qu'on tient, l'autre groupe la font retrait, et les jeunes en solution médium. En tout cas, nous-mêmes, nous disons, au niveau du groupe minoritaire, nous parler à n'importe qui moment, à n'importe qui peur, dès que monsieur comprend que nous avons voté en deux fois, feuille de route là, et ensuite, nomination président, dans la même séance-là, c'est consensus ça que nous faisons, alors que nous demandons pour te faire élection après, pour te mettre en commission sous pied. Nous voulons accepter ça. Nous disons que, dès que monsieur est paré pour faire, que ce soit aujourd'hui ou demain, nous-mêmes nous faisons, pour nous rester dans l'esprit de la Constitution et pour nous faire acte
eh bien, qui va permettre que le monde va venir, les bonnes légitimités, les bonnes références constitutionnelles. D'accord. Là, sénateur, son négociation, côté en bagage, quatre ministères clés mettaient sous ça, n'y est déjà, selon précision, sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé. Pour qui ça? Bon, c'est la première fois, nous avons dit, sénateur a vraiment pas respecté tête li. M'pa kwè à aucun moment de la durée que te gon un sénateur qui parlait de ministère. Question ça a pas jamais soulevé. Si parce que bon position que sénateur a pas arrivé et bien établi un consensus et puis lui parler de ça, écoutez, ça va mériter réponse Bob. Parce que pas un sénateur, un député qui te jamais parlé depuis lundi nous non. Et négociation, on a cherché quoi ça, c'est ça. Il n'y a pas jamais parlé de formation gouvernement. Nous parlons de deux bagailles. Nous parlons de feuilles de route qui s'en a metté comme garde pour que le président qui l'a, eh bien, élection, l'y passe de façon démocratique, l'y passe de façon honnête. Et nous te parlons également comment nous pouvons combler, eh bien, vide là, après la vacance présidentielle là. À aucun moment de la durée. Sénateur là, pardon, sénateur là-dessus. Et sénateur collègue, vraiment, il doit ressaisir, il n'y a pas de menti comme ça, là, au niveau ça, et je pense que ceci n'est pas sérieux. Bien, député, c'est ça, Jackie Guerrier, c'est Pointe-à-Raquette, la Gonave, qui même parlait de madame, mon côté, vous voulez mettre dans, c'est ça, BRH, BRH ou BNC, comme ça, lui-même, ça le dit. Écoutez, moi, je pense que le député Jacques Guerrier, c'est un ami qui était dans l'Assemblée, qui nous a toujours parlé, qui toujours a pris pour nous intervenir, pour nous faire consensus. Et moi-même, toujours prendre au sérieux. Mais lui-même, il faut le prendre au sérieux. Tout. Ah, il était vraiment en colère. Question. Hein? Non, il était vraiment en colère. Tout à l'heure, après le passé, c'est sonore. Là, il est fâché en pile. Il dit, c'est pas payé. Non, moi-même, il faut toujours prendre au sérieux. Pour la question, il était clair, il était fait la question. Il était offert depuis et au mois de février, justement, à madame qui, justement, comme vous le dites là, qui sont professionnels, hein, et à la matière, qui étaient administratrices, dans la plus grande compagnie et plus grand organe international, pour lui, avait occupé un poste au niveau de BRH. Eh bien, à un certain moment de la durée, lui-même, lui décidé, par rapport à la question politique là, pour que lui ne parle pas question de chantage, lui fait honnête que lui présenter à président Privé, que le remercier de ce qu'il a choisi et que le recrée école, et ceci depuis le mois d'avril. À aucun moment, question ça, il n'a jamais soulevé, et c'est lui qui a recrée école, et malgré tout, il a proposé pour le retourner à différentes questions qu'il a posées, eh bien, lui qui a dit que lui-même, il n'a pas la donne, parce que lui c'est un professionnel, et loin que si on tournait en question de chantage, il faut faire ceci pour faire cela. Et bien, le territoire école. Donc, moi, je pense que l'est anormal, les que vous parlementaires, eh bien, qui n'ont niveau que vous respectez, et puis lui-même, il n'a pas respecté tête lui, et il pense que c'est avec menti seulement qu'il a avancé pour que, dans l'opinion, il faut pas passer, même à dire, eh bien, pour menti par fond, ni député Jackie, je regrette que c'est ça le dit, je n'ai pas adopté même attitude avec elle, même à dire, eh bien, opinion que, justement, c'était madame qui retire l'école, parce que, eh bien, là que l'USA a tourné au objet de chantage par rapport à position, il dit retire l'école, et il retire l'école net, parce que, il n'a pas voulu que, eh bien, ça, il tournait objet de chantage. Il me pensait que, il est anormal, il me pensait que, il aide que, depuis déjà, qui lui-même, toujours, ville mon côté, après intervenu, il a dit que hier soir encore, il a dit que l'apprécie intervention, il a dit l'apprécie façon que séance l'a mené, il a dit l'apprécie façon que m'a cherché consensus, il a dit l'apprécie façon que sénateur qui le gouvernement qui pas d'accord avec moi que m'a cherché consensus, m'a arrivé parler avec eux, eh bien, je pense que là, nous faisons exprimer la position, l'ISAN qu'on allait pour le dire ça, pour le faire mentir, alors que nous avons des possibilités pour que. Et que met un argument de pour te faciliter le consensus là. Écoutez, m'a descendre dans le même niveau. C'est sénateur Yori. Très bien, nous essayons de résumer. Intervention là. C'est comme si Mtando dit que le groupe minoritaire là est d'accord pour que Jostin Privé arrête sous pouvoir. Est-ce que c'est ça? Pendant que Nabali, on fait des routes.
nous dit la position minoritaire là, que nous t'es parlé pour nous voter deux bagailles. Premièrement, feuille de route là, que nous t'es presque finalement entendre nous sous et parce que là nous t'es allé dans la salle des commissions, nous t'es gagné deux, trois points litigieux que nous t'es travaillé, que nous t'es gardé. Et deuxièmement, nous dit, pour la question de nomination de président, nous avons préféré l'Assemblée. Si l'Assemblée a choisi, nous-mêmes n'avons pas préféré. Donc ceci était clair, vous ne pas comprendre comment faire un sénateur, député, qui a défendu nos causes et que nous offrons aux possibilités, je dis aux majorités, pour que nous votions tous les deux points hier soir, feuille de route là, et la question du président, malgré que nous prenons nomination, c'était élection pour être faite, pour que en commission puisse inviter l'autre monde. Nous dit non, étant donné que c'est quoi encore déjà, nous avons tout offert possibilité pour que, eh bien, nous fassions tout. Nommé président hier soir, pour que vous puissiez faire là deux temps par rapport à ça, nous demandons, il dit que par les deux temps, c'est une résolution qui prend. Et la résolution, après feuille de route, après président. Nous disons, résolution pas qu'à statuer sous question président, hein, sous question, écoutez, qui gagne toute spécificité, on nous fait à part, non point différent. Il y avait, Bamzou Gelou, pas de gagner. Aucune possibilité pour ne pas accepter ça, parce que ça, c'est dans toute possibilité. C'est sénateur, bon, Kounia, ça va dépendre de ça qui n'a fait de route, là, permettez-nous, sénateur. Donc, dis-nous non, qui ça qui gagne une feuille de route, ça, qui nous t'est proposé, hein, comme balise? Qui ça y est? 1, 2, 3, 4, bah, nous, pour nous, est-ce qui ça empêche que l'autre groupe, là, lui-même, y accepte, ça ne démette comme balise dans feuille de route, ça, yo? Écoutez, feuille de route, là, nous t'es sauvés dans la salle, nous t'es presque d'accord sur lui à 95%. C'est feuille de route qui parlait, justement, de calendrier électoral là. Calendrier, et alors, on va boire les grands points, qui dit que faut toute élection faite avant décembre. Son feuille de route qui parlait de principe du respect de la chose souverainement jugée. C'est la députée qui déjà passé dans la BCN. Nous dit que nous va quand demander passer devant BCN. Nous demander à ce que le gouvernement n'a pas intégré, pas pris aucune mesure qui permet que, eh bien, lui influencer l'élection, et l'élection qu'on fait là, nous dit que, dès que l'élection fin faite, bon président élu, eh bien, président provisoire là, lui qu'a allé, mais au plus tard pour l'aller, c'est 7 février, hein, et pour le passer échoppe là, et que dès que l'élection fin faite, et premier tour là, eh bien, élection président provisoire là, l'a rencontré deux candidats pour le passer au, pour le mettre informé de dossier nation, pour deux candidats qui parlent le deuxième tour à Grande Verre. Et moi, je pense que, et nous dit au plus tard que le président doit installer, c'est le 7 février. Donc, c'est en gros, ça me fait, ouais. Okay. Et qui est-ce dans le point ça, yo, groupe majoritaire, pas d'accord avec lui? Regardez, et bon, pas de gain, ouais, tout le monde a parlé là. Pas de gain, un sénateur, député ça, yo, qui était président dans la salle là, qui t'a discuté de points. Nous, notre salle côté de l'État, t'es gagné député Jerry Tardieu, député Fritchery, sénateur Carlos Lebon, sénateur Daniel Cassi, sénateur Mila Tortue, et député Gary Baudot, Ronny Célestin et autres. Sur la question de feuille de route, m'a dit, quel est votre monde représentant ça? Nous t'es déjà d'accord à 95-97%. Le problème qui est litigieux, nous t'es demandé nous-mêmes, en fonction de l'esprit de la Constitution, que feuille de route là, ils ont voté avant, et puis après, nous choisissons le président après, et ceci dans la même séance là. Comme on l'a dit, sans délai ni tour de rôle. Sans déjoindre tout de suite. Ils ont même dit, document ça, que depuis midi la préparé, faut nous tous voter la président en même temps, faut non, président privé la donne. Nous disons que document, c'est la mission, après, c'est le choix. Dès une fin de mission, nous avons le choix, qu'on y a pris un seul bagaille, nous avons pour nous voter budget, justement, pour que le président ait un moyen dans elle. C'était la seule différence. Pas d'aucune discussion. Et que c'est là des députés qui ont parlé là, il n'y a pas de discussion, ni de points. Eh bien, discussion de points, un code qui est joué là, c'est avec, notre cas dit, certains députés et sénateurs depuis midi. Comme consensus à Bastien Jean, nous demandons en suspension de séance pour que nous te joignions reste là. Et après suspension, feuille de route ça, qui est là jusqu'à présent, qui n'a même débuté Jerry Tardieu, moi je crois que pratiquement nous d'accord sur lui. La question c'est que est-ce qu'il fallait faire ça en un seul vote ou bien en deux votes.
Nous disons, d'après l'esprit de la Constitution, il faut nous faire en deux votes. Et c'est peut-être ça, où est-ce que nous sommes arrivés et pas de accord sur point ça. Ok, ça veut dire là, nous dans la Constitution. Exactement, là, nous dans. La Constitution est toujours là, les mêmes. Nous avons un accord dans la Constitution en même temps. Écoutez, accord là, écoutez, c'est parce que gros problème qui fait nous dans l'accord là, mais nous disons que l'accord là, il faut respecter l'esprit de la Constitution. C'est parce que nous avons un accord que nous disons, par exemple, l'Assemblée nationale là qui a déposé des mounes de cailloux. Parce que l'Assemblée nationale là, il y a 10 missions que nous avons accomplies. Et puisque nous avons l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale qui a fait choix, nous disons, mais comment pour nous faire choix? Et malgré tout, là nous avons fait cette séance là, nous disons, nous ne pouvons pas respecter toute procédure ça, que l'Assemblée a mettre, nous pouvons aller directement, l'Assemblée va trancher. Et il fallait une heure de temps pour que nous te rentrions dans la salle là et nous te décidions sur deux points. Et à un certain moment, moi j'ai dit, député et sénateur de l'autre groupe, que je ne comprends pas que dans une heure de temps, vous allez voter quelque chose qui va eh bien, finir avec cette séance pour que nous fassions de route. Nous avons un président et puis nous-mêmes, nous insistons sur le fait et que nous ne pouvons pas voter. Et les femmes de guerrier, immédiatement, que sénateur de finale, moi j'ai averti député A, ou bien député et Fritchouri, par exemple, qui te relève, qui te dit que je suis d'accord. Mais malheureusement, sénateur qui t'a allé, eh bien, nous ne pouvons pas rejoindre pour que nous retournions dans la séance là. Et le MABC. Le groupe majorité a dit c'est nous-mêmes, le groupe minoritaire qui est infirme comme non, sénateur. Oui, c'est ça, oui, le groupe minoritaire, là que nous n'avons pas un consensus là, nous disons que nous ne pouvons pas prêter dans la séance là, et là, on a déplacé. Moi, je dis que, il y a un député qui est là pour dire que nous, il y a d'accord à ça nous déposer, mais malheureusement, eh bien, il y a des députés que nous, et sénateurs que nous ne pas rejoindre. Et nous ne pas voulons que, bon, décision qui te prend pour que nous retirions quoi, nous, en groupe minoritaire, et que bon, sénateur, de tourner en 25. Nous, j'ai dit, député, que nous-mêmes nous parions, si à cette séance-là, jeudi ou demain, à n'importe quel moment, nous présenté parce que, il y a une dino que, position que nous avons gagné, hein, groupe majoritaire là, ils viennent d'accord, ils parlent pour le voter là dedans. Eh bien, merci un pile. Mais il y a un point là, ok, ça dit que nous avons dit là, pour ne pas avoir un député avec sénateur là. Il a fait BCN pour BCN spécial. Exactement, pour ça, il y a un consensus depuis la première réunion que nous avons gagné la semaine dernière pour nous préparer à ça. Okay. C'est un point qui est un consensus. Côté tout le monde débat. Ok, donc est-ce que pas une possibilité pour que nous fait vote là, un seul vote? Nous continuerons de quitter ça seulement comme point de discorde là. Hein? Pas de possibilité pour nous entendre nous faire vote là, puisque nous n'avons pas de problème pour privé-arrêter. Qui ça empêche que nous accepter faire vote là en même temps? Mais nous pas dit que pas de problème ou de problème. Mm-hmm. Nous dit que c'est l'Assemblée qui va trancher dans un vote sur la nomination du président. Ok? Mm-hmm. C'est-à-dire que ça, l'Assemblée a choisi à nous-mêmes. N'a pas respecté. Ça fait yon. Mm-hmm. Deuxièmement, moi, je pense que nous-mêmes, nous parlons. Proposition, c'est nous qui faisons. Donc, nous parlons pour nous voter. C'est parce que nous n'avons pas accepté. Qui fait que, eh bien, nous ne voter. Mais en, comme nous sommes sur route, je te dis que nous d'accord. Donc, nous-mêmes, nous parlons à n'importe quel moment. Comme nous d'accord pour nous entrer, pour nous faire vote là, et pour assembler les chefs. Mm-hmm. Ok. Et tout groupe, vous êtes entendu, vous êtes dans rédigé et fait d'autres ça. Et oui, donc feuille de route ça, on a parlé là. Est-ce que tout groupe yo, tout bloc yo, t'es participé pour dans rédaction? C'est ça. La dernière réunion qui était gagnée. Alors, t'es une première réunion qui était faite à midi. C'est gagné tout groupe yo que là. Nous pas fini de s'en souli. Et la dernière réunion qui était faite pendant suspension séance là à 2 heures. Et on croit que tout groupe yo t'es d'accord sur la question de feuille de route. Le point de désaccord. C'était de la nomination du président, comme on a fait, et nous-mêmes, nous t'ai dit, on nous quittait assemblée à trancher dans un deuxième point qui lui-même pas mêlé à premier point. Donc, ça nous t'ai fait, si que groupe-là, nous t'ai dit, majorité-là, qui est d'accord à question ça, je vous dis, avant de parler, la question d'abord de fini, le vote serait fait, et nous t'ai soumettre nous-mêmes à choix majorité à faire, comme nous-mêmes nous toujours parlé, et nous t'ai dit, monsieur Sayo. Nous disons qu'il y a deux presses dans l'Assemblée. Il faut que les gens qui ont la majorité, eh bien, c'est eux qui ont tranché. Parce que dans l'Assemblée, c'est le principe de la majorité et de la minorité. Mais le deuxième principe d'une Assemblée, tout ça n'a fait
faut que nous veillons que l'y respecter la lettre ou du moins l'esprit de la Constitution. Mm-hmm. Donc, dès que deux principes sont en fait, nous pas de problème. Et c'est dans ce sens-là que nous dit monsieur, pas de problème, feuille de route là. Pas de aucun sénateur député qui te dit qu'il y aura un point de désaccord avec elle. Mais on nous vote feuille de route là, un, et puis après, on nous vote pour président, mm-hmm. deux, et ceci nécessiterait seulement une peu de temps en plus pour que nous arrivions. Et je suis content que pendant que je suis sur route là, je te dis que je suis d'accord avec elle. Malheureusement, je regrette que je ne peux pas joindre tous les sénateurs. Et par principe moi-même, par principe de solidarité, si je déplace, tout sénateur déplacé, je vais joindre, je ne vais pas attendre que je retourne, alors que l'autre sénateur et l'autre sénateur ne connaissent pas. Connaît. Et bien, je te dis, moi, je vais pour me dire que, écoutez, tout sénateur, vous êtes allé, eh bien, dès que nous, le plus vite possible. Ah ben, c'est un 5 à fait. C'est un 5 à fait. Je dis à la CEO, d'accord. C'est un 5 à fait. C'est sénateur Yoé. Nous-mêmes nous parler. Oui, nous tapons de là. Nomination président. Est-ce qu'il y a quelqu'un et inscription encore ou bien assemblée en pral dit oui ou non, il est d'accord avec pour président privé arrêté sous pouvoir? Est-ce que nous pral ouvrir inscription ou bien c'est seulement assemblée en pral dit bon, ok, nous d'accord pour le rété ou bien nous d'accord pour le pas arrêter? Derrière, c'est ça, Mbagodella. C'est la plus grande concession que nous faisons, oui. Mm-hmm. Position de départ, nous, c'était remettre des chapes là pour faire inscription, pour faire élection. Alors que, là, nous finissons faire consensus là, nous disons que, écoutez, étant donné que nous cherchons un consensus, nous-mêmes du groupe minoritaire, nous d'accord pour que c'est assemblée à qui tranché, eh bien, sur le prolongement du président Brivère ou non. Si qu'on y a assemblée à dire qu'il n'est pas prolongé, là, ça a fait élection. C'est une plus grande concession, concession majeure que le groupe minoritaire a fait, parce que dans la séance, ouais, que nous avons parlé d'échappes, nous avons parlé d'élections, nous avons parlé de respect scrupuleux, et à la fin, vers 2h, eh bien, nous faisons concession ça, et nous demandons à députés et sénateurs, en allant dans la salle là, que l'Assemblée a tranché, que nous choisissons feuille de route là, et que nous choisissons, que nous opinions sur la question de l'allonge du président, et là, ça, si l'Assemblée a choisi le président privé pour l'allonge là, nous d'accord, et si on va choisir, nous avons fait élection, et c'est là ça seulement que l'autre monde est venu inscrit. Et c'est vrai que ça, guerrier, vous ne pouvez pas comprendre comment fait que le groupe majoritaire là, l'arrivé en fin de journée, en fin de séance, avec une position qui est tellement facile pour lui, puisque lui connaît l'idée de la majorité, et il n'est pas d'accord pour nous faire vote là en deux temps, il est d'accord pour nous voter un seul document. J'ai pas compris, et d'accord. J'ai dit au sénateur au début, c'est dommage, nous ne pas comprendre la question, parce que moi, quoi que, nous avons une possibilité avec majorité par nous pour nous traiter. Sénateur, on n'a pas fini, et sur ce qui base, sur qui ça nous chita, par exemple, pour être une affaire de route là, que il n'y a pas de droit manier des députés sénateurs qui ont pris le monde dit qui mal élu dans le niveau parlement. Pour qui ça nous tient à ce priorité? Nous basons sur un principe sacro-saint en droit. C'est le principe de la chose et acquis autorité de la chose jugée. Le jugement qui acquiert autorité de la chose jugée, le ça, le gain, on pique le tribunal, l'on pays qui juge en question, à aucun moment ou pas qu'à retourner sous lui. Et décision tribunal là, qu'on pense le bon, qu'on pense le pas bon. Au niveau des tribunaux de droit commun, c'est la Cour de cassation. Au niveau du tribunal électoral, c'est le BCN. Au niveau du tribunal administratif, c'est la Cour de cassation. Puisque nous sommes dans juridiction électorale et que jugement est fait au niveau BCN, il est décidé et que loi d'un pays a dit, eh bien, les jugements du BCN sont des jugements sans recours. Puisque constitution reflète que c'est CEPA, à travers tribunaux qui décidait en dernier recours, nous dit, nous réaffirmer principe ça. Son principe que nous réaffirmer nous dit que on ne saurait remettre en question des jugements ayant autorité de la chose jugée. C'est un principe et de droit, c'est un principe qui est devenu constitutionnel en Haïti. Merci un peu, le sénateur. Bonne journée. À moi de vous remercier. Mm-hmm. Eh bien, on continue avec. Oui, Jacques Guerrier, oui. Réaction, là. Donc, ça est député Jacques Guerrier, la révélation, là. Ah, oui, après séance hier soir, là. On a besoin de député Jacques Guerrier. Merci, t'es en pile, c'est par rapport à ça, m'a vive la soirée, pour vivre nos séances, pour nous trancher, pour nous étudier tout qui sous nos populations. Mais ça m'a attendu, parce que c'était député avec sénateur, pour la plupart, sénateur Yui, sénateur Cantave, Foucan,
Ils ont demandé pour un remaniement ministériel. Maintenant, remaniement ministériel, ils ont demandé. Là, quand on cherche avec eux, pour nous sortir du pays de Salia, c'est quatre ministères qui ont gagné pour ne pas manger, pour avoir quatre lots. Encore, mais tu as quatre salaires qui ont gagné. Dans le remaniement ministériel, ils ont dit quatre salaires qui ont gagné déjà. Pas manger, pour avoir quatre lots encore. En présence, ils exigent ça. Ça, pis drôle là, c'est parce que le sénateur Yuri Latortu exigeait pour le président privé. Bal, directrice générale BRH, pour mettre madame ni. Le gars de Garibaldo tout, c'est directeur général au fait mal mandé tout. Faut qu'on bagarre là tout. C'est pas faire pays qui a vu là. Son bon voie, il y a une aide ça. Qui compte vous faire du mandat, député? Ah, mon cher, c'est pour moi, c'est député mieux. Ah, devant. Il dit, gars, il y a balade joint. Au fait mal dit non. Il dit, il y a balade joint, il dit non. Président mandé. Donc ça va faire la bagarre pour un pays. C'est pas pays. C'est pas un grand stévolet net comme régler là. Rappelez-nous, non. Prêt à raquette la gonave. Oui. C'était un mauvais net. Bon. Et heureusement, il est exilé. Oui. Sans constat. Bon, attend, c'est un peu. Retina Polycap. Retina Polycap, tout qui a même été réagi. Tout de suite après séance. Dans le micro, Winchell, Adrien. L'événement qui passe aujourd'hui, nous sommes capables de dire à l'aide du Parlement haïtien, et m'a dit bien clair, de renforcer la légitimité de Jocelyn Privé comme président provisoire de la République d'Haïti. C'est vrai, tout le monde pense que 5 février, je le dis tout à l'heure, 5 février 2016, là, c'était. Il y a un accord qui est signé, c'est capable de constituer un certificat de légitimité pour le président privé. Nous, aujourd'hui, ce n'est pas des jambes, c'est vrai, c'est l'Assemblée nationale qui a de prendre responsabilité. Mais nous, et m'a cité, il y a une autre fois encore, des collègues qui n'ont pas qu'à faire débat, m'a cité, c'est Yuri Latortu, collègue moi, Karl Murakantav, Edo Zeni, Hervé Foucan, et qui est encore qui était absent. Donc, nous pensons que c'est dommage que tout député, tout sénateur réuni pour nous pas capable de faire séance là. Désormais, je vous dis, tout le monde constate que il y a une majorité, tant à la Chambre des députés qu'au niveau du Sénat de la République, qui est d'accord pour gagner stabilité dans le pays, bon minorité, le ça, population, après l'autre. Mais son majorité, vous, ça ne va pas faire pour qu'on non, non, non. Majorité, ça le veut dire. Majorité, c'est-à-dire son ensemble de députés et de sénateurs qui, quand même, gagnent beaucoup plus de voix par rapport à l'autre qui est minoritaire là. C'est ça le veut dire. Évidemment, nous, population, après l'autre, et désormais, toute bagarre qui passe, il y a pour que qui est responsable devant toute population. L'autre nouvelle, Premier ministre Enex Jean-Charles pas caché malaise li à cause crise politique là qui gagne un pays depuis quelque temps. Toutefois, chef gouvernement rappelé, il pas fait partie d'une équipe de facto. Premier ministre Enex Jean-Charles t'en a mis cours au Fadisous hier. Moins pas confortable lorsque nous retrouvons dans une situation côté non pas film trop clair qui côté de nous aller. Est-ce que je suis confortable dans le fait que certaines personnes répètent des noms comme monde qui t'a supposé venir diriger le pays? Moins son citoyen haïtien qui a servi le pays d'Haïti jodi a. Et jodi a sous base un accord qui te prend 5 février 2016, moins à occuper fonction Premier ministre. Et dans l'accord 5 février 2016 là, il y a une disposition qui dit que l'Assemblée nationale doit prendre les dispositions nécessaires. Moun ka répété tout ça au dit, mais tant que toute autorité dans le pays, tant que tout le monde m'attend qui décision Assemblée nationale là à prendre. Moi, m'a dirigé un gouvernement côté gain une nomination régulière qui fait par un président de la République, côté qu'on vote de confiance qui régulièrement baille par le Parlement, moins pas gain absolument et gouvernement n'a pas gain absolument aucun élément qui pour fait que le qualifier de gouvernement de facto. Personnellement, compte tenu de toute route que me fait pour jodi à me retrouver en tête gouvernement pays a pas ta pour à l'aise si m'te gain certitude que m'ta dirigé un gouvernement qui de facto m'ta pour retirer comme tout doucement. Donc moi pas diriger
un gouvernement de facto, m'a dirigé un gouvernement légitime, côté à la fois nomination et vote parlement est fait de manière régulière. Et faut dire, et pour bien comprendre, qu'il y a une seule façon qui prévoit nos constitutions pour qu'un gouvernement, par là encore, un premier ministre, par là encore, dans la constitution de la République d'Haïti, son seule façon au monde de suspendre le premier ministre, c'est que le démissionner. C'est seule façon ça qui prévoit dans la constitution de la République d'Haïti, on monde suspendre le premier ministre, le démissionner. Et même le Parlement, en vote de censure, a dit qui vient après, a dit en cas de vote de censure, le premier ministre doit présenter sa démission. Donc c'est une seule façon que un premier ministre qui montait régulièrement dans la République d'Haïti suspend le premier ministre, c'est le lui-même lui présenter démission. Donc il est difficile pour un premier ministre que mieux je dis à faire un coup d'état contre propre tête lui pour le David tourner en premier ministre de facto. Conseil électoral provisoire annoncé à travail sans camper pour organiser l'élection présidentielle yo dans date qui fixé yo. Porte-parole conseil Nicole Siméon exige bonne information pour tout acteur qui impliqué dans processus électoral là, une façon pour éviter magouille dans élection. Reportage Mac Gerson Félicitain. Depuis jeudi mercredi 29 juin 2016